Voici le nouveau Wi-Fi Backpack. Cet accessoire va vous permettre de contrôler votre GoPro à distance, mais aussi de synchroniser toutes vos GoPros jusqu'à 50 caméras. Avant de commencer l'installation de votre Wi-Fi Backpack, vous allez devoir faire des mises à jour pour que celui-ci marche avec votre GoPro. Commencez par lancer votre logiciel Cineform Studio. Vous allez devoir mettre à jour votre GoPro, mais aussi votre Wi-Fi Backpack et la télécommande. Il est possible que vous soyez obligé de recommencer plusieurs fois cette manipulation pour pouvoir appliquer les mises à jour pour que votre Wi-Fi Backpack fonctionne correctement avec votre GoPro. Votre logiciel Cineform va vous permettre aussi de contrôler via l'option Device Window le nom de votre réseau Wi-Fi ainsi que la possibilité de pouvoir y appliquer un mot de passe. Une fois vos mises à jour terminées, vous allez pouvoir installer votre Wi-Fi Backpack derrière votre GoPro. Pour pouvoir rentrer votre GoPro dans votre caisson, vous allez devoir changer la porte arrière de celui-ci. Changez-le comme ceci et intégrez la nouvelle porte arrière fournie dans le pack aussi facilement. Votre Wi-Fi Backpack a une batterie intégrée. Vous pouvez donc le recharger par le mini USB qui est situé sur le côté droit et allumer ou éteindre votre Wi-Fi Backpack par ce bouton au même côté. Une fois que la batterie de votre Wi-Fi Backpack est vide, le Wi-Fi Backpack va se servir de celle de votre GoPro. La face de votre Wi-Fi Backpack vous permet de visualiser le bon fonctionnement des ondes Wi-Fi. Vous avez aussi la possibilité de connecter via Bluetooth et enfin voir l'autonomie de votre batterie. La télécommande est rechargeable aussi via un port USB. La communication entre la télécommande et votre Wi-Fi Backpack se font via les ondes Wi-Fi. Une fois votre Wi-Fi Backpack installé, vous allez pouvoir tester la synchronisation entre votre télécommande et votre caméra. Vous pouvez allumer simplement votre Wi-Fi Backpack et lancer l'allumage de votre caméra grâce au bouton Mode de votre télécommande. Vous pouvez constater l'allumage de votre GoPro. La télécommande vous permet un contrôle total de votre GoPro. Vous pouvez choisir les modes d'enregistrement, toutes les options de votre GoPro, mais aussi le lancement de l'enregistrement et l'arrêt de celui-ci. Votre télécommande contient le même écran d'indication que la GoPro. Il est fourni avec votre pack un scratch pour pouvoir appliquer votre télécommande sur votre poignet. À l'exemple d'un surfeur qui a la GoPro sur sa planche, il peut contrôler sa GoPro, notamment le lancement de l'enregistrement, directement via son poignet, sachant que la télécommande est étanche jusqu'à 3 mètres de profondeur. En ce qui concerne les compatibilités de votre Wi-Fi Backpack, le Wi-Fi Backpack n'est pas compatible avec le Rig 3D, néanmoins il est compatible avec votre GoPro Hero. L'usage reste néanmoins limité, vous allez pouvoir vous en servir seulement pour la synchronisation. Les autres options que le Wi-Fi Backpack va nous offrir sur notre GoPro Hero 2 vont être le monitoring en live. Cela va nous permettre de voir en direct ce que nous filmons sur notre smartphone ou notre tablette. Grâce au réseau Wi-Fi ou Bluetooth, nous allons pouvoir contrôler notre GoPro avec le téléphone ou la tablette à disposition, revisualiser ce que nous avons filmé, mais aussi partager sur les réseaux sociaux en direct ce que nous filmons. Il va falloir néanmoins s'armer de patience, car nous allons devoir attendre une prochaine mise à jour pour le Wi-Fi Backpack, ainsi que la sortie sur les stores de l'application qui nous permettra de contrôler via notre smartphone et notre tablette la GoPro. Votre pack contient une porte ajourée et une porte étanche, les câbles pour pouvoir recharger votre Wi-Fi Backpack et la télécommande, ainsi que le scratch pour pouvoir l'attacher à votre poignet. Et bien voilà, la présentation du Wi-Fi Backpack est terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter et abonnez-vous à la chaîne pour pouvoir voir le prochain tuto qui sort dans 15 jours.